En tête de cortège, les gardiens de prison. Ils étaient près de 120 venus d'Alsace-Lorraine et de Bourgogne-Franche-Comté. Ils ont sifflé tout au long de la manifestation le projet de prison du cœur de Pierre Botton. Mobilisés et en colère, les agents pénitentiaires dénoncent un projet farfelu, disent-ils, et inacceptable pour leur métier. On est shoot, ni plus ni moins, du projet. C'est une phase totalement inacceptable, en tout cas pour nous, parce que ça fait des années qu'on pratique et qu'on sait pratiquer. Malheureusement, on ne nous donne pas les moyens pour bien le faire. Donc M. Botton, lui, n'en fera pas plus. En tout cas, permettra certainement d'ouvrir d'autres espaces qui sont autres que sécuritaires, en tout cas. On est loin d'être contre l'amélioration des conditions de détention, quand même dans les prisons. On a des idées, on demande qu'à être reçu et de pouvoir en débattre. Pour cette première manifestation, les agents de l'administration pénitentiaire ont fait bloc avec les habitants du canton concerné. Résultat, près de 250 personnes dans les rues de Lons-le-Saunier. Une population qui veut être entendue au-delà du seul village de Saint-Julien-sur-Suran. Des habitants qui ont peur et qui ne voient pas l'intérêt du projet. Le projet qu'ils ont présenté donc à la mairie, que j'ai été étudié, il n'y a aucun emploi de prévu. Pour les commerçants, je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir y trouver. Là, Saint-Julien, on veut dire que le village est en train de mourir, ce n'est pas du tout vrai. C'est un petit village de campagne où tout le monde se connaît, où tout le monde vit bien. On a tout ce qu'il faut. Je ne vois pas ce qu'ils veulent amener de plus. Saint-Julien est petit. Le canton n'a pas été, disons, consulté. Et également, ce qui se passe, c'est qu'on risque d'avoir de la délinquance qui risque de passer un petit peu autour dans le canton et village. C'était une première mobilisation. Agents pénitentiaires et habitants du canton de Saint-Julien promettent d'autres actions si le projet de prison n'est pas rejeté.